Sur Football Manager avec le challenge d'Arthur Ray. Donc on va continuer, on va s'intéresser la dernière fois. Donc pour ceux qui me connaissent, qui n'ont pas suivi le début de la série, le challenge d'Arthur Ray, c'est quoi? C'est une, c'est un challenge où on est interdit de transfert pendant 10 ans. Voilà. Mais l'OM. Donc moi j'ai pris l'OM dans ce cas-là. Parce que bah, je vais pas prendre l'OL. Pour faire l'OM à l'OL. Donc lui, c'est son premier club, d'accord. On félicite Leonardo Balerdi, bien sûr. Donc dans cette série-là, faut savoir qu'en deux épisodes, parce que c'est rediffusé sur YouTube monté, et dans cet épisode-là, faut savoir qu'en deux épisodes, j'ai déjà fait 2 mois, à peu près. Donc, plus rapide que la partie de Stuttgart que je fais d'habitude. Hop, on va mettre Bailly là. Et Balerdi à Bazembamba. Gerson et tout, ok. Voilà, impeccable, on va faire comme ça. Assister à la conférence de presse. Ok. Alors. Donc ça, on s'en fout. Ok. Le code pour les titres de UEFA Champions League par Wolfscore.com. Donc eux, ils mettent favori Manchester City devant le Real Madrid, Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Donc on va confirmer ça. Bon, on va laisser comme ça. Donc là, il n'y a rien à faire. Continue sur sa lancée. Bon, j'espère qu'on va gagner pour la première fois à l'extérieur. Ce serait bien. Parce que sinon, ça sert à rien. Mais bon, ça commence mal parce que pour l'instant, on est encore mené à l'extérieur. On pulvérise tout le monde à la domicile, mais à l'extérieur, ça va mal. Donc, c'est pas possible ça. Donc c'est quand même compliqué cette histoire. Ah ouf, Dimitri Payet qui égalise, allez 1-1 contre le JOCR. Avec Klose qui récupère à droite. Le tir d'under est dégueulasse. Ça aurait pas mal d'aller chercher un résultat contre l'OCR. Ça serait trop bien, mais bon. What? Bon bah but d'Alexis Sanchez. Il en profite bien, il fait son rôle d'attaquant, il est bien placé, donc c'est impeccable. Ils font une erreur, bah c'est impeccable, il en profite. Allez, on mène 2-1 contre Serre. Et on revient 5ème. Allez, on mène 3-1 contre la JOCR grâce à un but de Dimitri Payet. Donc ça, c'est une bonne chose, ça y va. Grâce à un nouveau but de Dimitri Payet.
Ah, ça fait quand même du bien de gagner à l'extérieur, ouais. Ça, c'est bien. Allez, poissons, on gagne 4-1. Ça, c'est bien. Donc, on garde beaucoup de frappes, bien sûr. Et Dimitri Payet, il a une note de 10 sur 10. Ah, il a perdu 0,1 paillettes. Il a 9,9. Il est revenu à 10. Je surveille la fatigue de mes joueurs, bien sûr. Là, j'attends que l'autre va sortir. Bon, entrée Bamba à droite. Tavares, on va rentrer Colasinac. Personne, on va rentrer rongé. Allez, on mène 5-1 avec un quatuplé de Dimitri Payet. C'est énorme ce qu'il fait, Payet. Il fait un match spectaculaire, Dimitri Payet. Donc ça, c'est une bonne chose. Un peu bon manier. Voilà. Encore un club qui s'est pris minimum 5 buts dans la gueule. Enfin, 4 buts dans la figure. Alors faut savoir que depuis le début de la saison, on fait que marquer par contre. Ça, c'est une bonne chose. C'est ça qui est bien. Allez, on a gagné 5-1, ça c'est une bonne nouvelle. Bien joué les gars. Ouais. Donc on remonte 5ème grâce à cette victoire 5-1. Je n'ai pas de raison de paniquer. Lol. On peut le mettre dans une réserve, toi. On va féliciter Payet avec son 10. Et le Cédric a été vendu définitivement. Donc l'OM remonte 6ème grâce à cette victoire 5-1.
Et Tsipanit a battu le record de buts à scorer la même journée au cours d'une. Le 4 buts à screen. Voilà, on les a dominés. Ouais. Ah oui. Cabrera reprend l'entraînement, ok. Meilleur buteur pour la Ligue des Champions. Karim Benzema devant Mbappé, Haaland, Lewandowski, Minson et Mohamed Salah. D'accord. Utiliser l'entraînement suggéré, bien sûr. Mbamba à la place de Klose, de Chico. On a 48% de chance que ce soit le Barça qui gagne, bien sûr. Ma soeur Ayou me dit que. D'accord, il y en a un international lui. Payet, Veretout, Harry et Under. Liverpool qui a fait match nul, PSG a gagné. Côté français, il n'y a que le PSG qui a gagné. Par contre, le Bayern s'est pris 4-1 par Séville. Ça fait bien. Allez, on fait la petite communion tactique. Jonathan Klose à la place de Mbamba et Under à la place de Jonsson. Allez, on valide. Premier match de Ligue des Champions. Et ils font jusqu'à l'extrémité. C'est trop bien fait. Il avait cru qu'il y avait pénalty le joueur du Barça, il se croit où lui? Pour l'instant, on est équilibré là. On est à peu près au même niveau de côté effectif. Bah pour l'instant, même on domine carrément parce qu'on tire plus que le Barça. Le Barça tire tant. Pour l'instant, on perd 1-0 contre le FC Barcelone. Mais ça, il fallait s'en douter un peu. Le Barça, c'est quand même plus fort que l'OM. Au début, on était un petit peu plus en train de les dominer. Là, maintenant, bon, bah, voilà. Et après, ils gagnent que 1-0, le Barça, c'est pas énorme. C'est pas une raclée non plus. Bah, ils ont, on a même égalisé. Allez, 1-1. Contre le grand FC Barcelone.
Alors faut savoir qu'en vrai on parle de l'OM qui a été éliminé de la Ligue des Champions. Et faut savoir un autre détail, c'est que le Barça a été éliminé de la Ligue des Champions en vrai. Bon, ils jouent l'Europa League, mais ils y sont plus en Coupe d'Europe. En Ligue des Champions. C'est chiant ça, on est... Par contre, Jigo, ton 6-3, ça va pas le faire. Ok. Harry Thunder, ça va ensemble, ça marche bien. Même si c'est pas Thunder qui a la meilleure note, c'est Payet à gauche. Bon bah, je crois que c'est mort. Après une grosse surprise, mais c'est mort, je crois. Bon bah, pour ce qu'elle fait pour essayer d'aller d'échapper avec un groupe comme ça, c'est compliqué. C'est foutu. Même en jouant à fond, on n'arrivera pas à les battre de toute façon. Avec la Chine, il a changé de sortir, t'es le dernier à sortir, mais on aura fait tous les changements. Bon bah, on prend 4 à 1. Bon bah voilà. Premier tour, premier match en Ligue des Champions, ça se prend une raclée. Parce que bah, on a tout simplement pas le niveau du Barça. Barça est 2 fois plus fort. Mais bon, c'est comme ça. Oh là, en plus, ils font des erreurs, donc. En plus, on joue au Camp Nou. Premier match. Ça commence mal. Ah ouais, ils nous ont marché dessus en fait. En Ligue G, n'ont pas vraiment marché dessus. Il y a pas, ouais, c'est bizarre. Allez, deux messages. Tac. Ouais. Alors, féliciter Leonardo Berardi et critiquer Issa Caboret.
Deux messages. Je tiens à vous faire savoir que j'en ai jamais vu, il ne diffuse pas tant de jeux que nous. Ça a ouais ah il y a 300 000 euros qui vont encore rentrer au club. La BI a besoin de Mamba et c'est tout. Et on va emmener Nadir à Brass. Voilà. J'attends une prestation de bien meilleure qualité de vote. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va faire un meilleur résultat que contre le Barça. Du coup, on joue à domicile. Bon, bah, on commence. Allez, on mène 1-0. Au bout de 1 minute 30. Ils ont pas du tout joué pas comme ça contre le Barça. Oh ouais. Je comprends pas la logique de pas jouer de la même façon contre le Barça. Et pour l'instant, on reprend la première place du championnat. Provisoire. Allez, 2-0. But de Dimitri Payet. On va mener un tout petit peu la Ligue 1, on va mener une journée la Ligue 1. Pour l'instant. Au moins 10 minutes déjà. Au moins 20 minutes on mène la Ligue 1. (coughs) 3-0 contre le LOSC. On est en train de pulvériser le LOSC. C'est très contradictoire l'OM, ils se prennent une raclée par le Barça et ils vont se pulvériser le LOSC. C'est normal. En plus ce but de Veretout il est magnifique. Parce qu'on va mettre un quatrième but. On a plus 16. Ma fille marquait un quatrième. Allez, 4-0. Allez, peut-être hors jeu. Peut-être. Allez, le but est refusé, elle part en jeu. Donc il y a 3-0. Donc pour l'instant, on gagne 3-0 contre le LOSC. LOSC qui était quatrième du championnat, bien sûr. Allez, 4-0, Dimitri Payet. Oh là, Dimitri Payet, je sais pas ce qu'il est en train de me faire en Ligue 1. Il est en train de marcher sur tout le monde. Ah, le PSG va recommencer à jouer là. Parce qu'il faut match nul.
Le PSG a commencé à jouer, eux. Donc ils ont mené 45 minutes la Ligue 1, l'OM. À part s'ils perdent Paris, mais bon, je crois pas. Ouf, ça va rien dire. Cinq-zéro, but de l'OM, Virtus. Pour l'instant, le PSG a l'air de faire match nul. Avec Claude, tu vas sortir. On va entrer une Mamba encore. Harit, on va entrer Nadir. Ou si c'est le moins prêt à dire. Oh, marque un but, le LOSC. Bon, moi, on mène 5-1. Allez, Payet, tu vas sortir, on va entrer. On va entrer Dieng. Et ensuite, on va entrer Kolasinac. Le dernier changement qui va se faire, c'est Pape Gay. À la place de Jordan Mérytou. Est-ce qu'on va réussir à marquer un sixième but? Et un truc qui est sûr, c'est qu'en Ligue 1, on marche sur tout le monde. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est le cas. Même si le PSG est en train de gagner actuellement. Malheureusement. On a fini marquer encore un sixième but. Dommage. Allez, on a gagné 5-1 les gens. Donc on a gagné mieux, mais on a pulvérisé notre adversaire. Surtout la veille de City, oui. Le transfert définitif de Harit, c'est vrai, mais bon. On verra. Maintenant, je crois... Ah si, c'est possible, vu que c'est en... Faut qu'il fasse 38 matchs, c'est vrai. Et. Tavares est suspendu pour le prochain match, ok. Donc il est 5-0 le PSG pour ce temps-là. Eh ben dis donc. Bah on a dominé Lille, on va être complètement. Prestax OXG, on est au-dessus. On les a carrément dominés. Utiliser l'entraînement suggéré, bien sûr.
Ah, Nice a perdu, mais on a perdu 2 places, ce qui est normal vu qu'on a une défaite de plus que Lorient et Strasbourg. Donc voilà. Ajaccio qui est 5e. Mbamba à la place de Bailly. Colchini à la place de Tavares. Guendouzi, Rongier et Under Jason. Et comme on a droit à 12 remplacements comme tout à l'heure. Donc on fera gaffe à De Bruyne, bien sûr. Donc là maintenant on joue. Merde, mais tout. Voilà, c'est bon. Hop, Kylian Mbappé qui arrive. On a dit sa performance, il était à FC Martigues avant. D'accord. Tu vas jouer, vous allez jouer tous les deux pour le prochain match. Dimitri Payet qui apparaît dans l'équipe. Bailly à la place de Mbamba et Tavares à la place de Kolasinac, ok. Allez, on va rechercher des joueurs. Donc il me faut un défenseur centre, un milieu offensif droite, un milieu offensif centre et un jeune au hasard. Allez, on valide cette équipe. Allez, faisons ça. Continuez sur le ballon. C'est une sacrée équipe, mais Haaland n'est pas là par contre. Juste de le voir. Bon, pour l'instant, bah, on est au même niveau. Après, on joue dans notre stade, donc ça va être un peu différent pour les adversaires, même si c'est un gros club. Vu qu'on joue au Vélodrome. Même si ça commence mal, je sais même pas qui c'est ce James Justin qui vient de marquer. Un joueur que je connais même pas. Avec Guendouzi. Dommage, c'est pas tiré assez fort. C'est dommage, Under, de pas cadrer. Bon, ça a un peu plus serré que le match avant. En plus, il va vite le match parce qu'on n'a rien vu. Vraiment, match de merde. Bon, Payet, c'est pas bien. Under aussi. Et Bailly, bien sûr. Oh non, un penalty! Oh! Bah oui, bien sûr! Je sais pas ce qu'il m'a fait Tavares, mais. Bon bah voilà, bon bah 2 défaites en Ligue des Champions. J'espère qu'on va gagner contre le Sporting de Portugal au moins. Et aller en Europa League. Enfin, on n'a pas le niveau, de toute façon, on n'a pas la force.
La Ligue des Champions, ça va être compliqué de la gagner, ouais. Avec cette équipe-là, sans transfert. Bon, c'est bien, Alexis Sanchez, il revient à 1-2. Bonne nouvelle. On va rentrer le petit jeune là. Mathis Clément, il va rentrer aussi. Alors, je vais rentrer 3 jeunes. Oh, tant pis, on va rentrer 3 jeunes. De toute façon, il faut préparer les jeunes aussi pour les amener. Oh, ouais. Vu qu'on n'a pas 10 ans, on n'a pas de transfert, donc il faut tourner avec l'équipe qu'on a. Oh, ouais. Encore perdu, malheureusement. Bon bah j'espère quand même, parce que sinon ça va être compliqué. Le stade de Marseille, d'accord, c'est nouveau. Allez, on continue. Le Sporting a encore fait match nul. Un match contre Rennes. Bah, de la deuxième période, on était au-dessus de City. Utiliser l'entraînement suggéré, bien sûr. Au moins, il faut match nul. Et... Allez, deux messages. 4 joueurs appelés en sélection, il s'accaborait. Avec Bailly, Amin Harit et Mbamba, d'accord. Alors féliciter Gerson. Et critiquer Pape Gay. Et Lille a gagné 3-0 contre Toulouse. Gigo à la place de Bailly. Kalashinesh à la place de Tavares. Rongier à la place de Gendouzi. Payet à la place d'Arit et Soares à la place de Payet. Il peut pas jouer, il joue en même temps, donc c'est pas la peine. Kolasinac, il est parti en Bosnie. Jonathan Klose a été appelé en équipe de France. Milik en Pologne. Under est appelé en Turquie, Caprice en U19, Nuno Tavares en Portugal Espoir, Thomas Antunes en Portugal U19, et Nyarkozy et Gabriel Jesus en Suisse Espoir. D'accord. Match nul entre le PSG et l'OL, là faut en profiter. Ah, de la FNT est appelé en équipe des États-Unis. Arrête à la place de Payet et Payet à la place de Soares. Voilà, impeccable.
Stade Rennais. Nous sommes sur la bonne série, je veux voir des matchs aujourd'hui. Alors les deux rouges, les deux défaites en Coupe d'Europe. Ah, Jansen avait bien récupéré, mais il a de mal donné. Super. Ça aurait pas mal de jouer correctement quand même. Allez, on mène 1-0 face à Rennes. Donc c'est une bonne chose. Et on revient à un point du Paris Saint-Germain. Un fait, il marque un but. Oh là là. Allez, 2-0, but d'Alexis Sanchez face à Rennes. Donc on mène 2-0 pour l'instant. On compte beaucoup de frappes. Ça c'est oui, c'est vrai. Ah, vite qu'il risque de sortir. En premier. Nadir, tu vas rentrer à la place d'Arit. On mène 3-0, bah putain. En Ligue 1, ça va beaucoup mieux depuis quelques temps. But de Ballard, vu ce que j'ai compris. Bamba, tu es encore entre à droite. Allez, under. La
La place de Ben Seguir. Bernadi, Eric Bailly. Et c'est qui le mois après? C'est Dieng après. À la place d'Alexis Sanchez. On arrêtera à 16h30. Ça fera 1h30 à 16h30, donc ça va être bien. Voilà. 1h30 le football manager, c'est très bien. Par jour. En live, bien sûr. Faisons ça, faisons ça. Allez, 4 à 0, on mène contre Rennes, mais c'est pas possible. Je crois pas des yeux avec des différences de but énormes en championnat. On pulvérise tout le monde à part en fait. Surtout à domicile. Je crois qu'à domicile, le plus petit score que j'ai fait, c'est 2-2. Enfin, 4-1. Allez, on a gagné 4. Monsieur les gars. Et on revient à un point de Paris. 3 à 5 tours de blessure, ouais. On va féliciter Alexis Sanchez. On voit ce qu'il dit. Donc, ouais. On va aller voir la domination. Ah ouais, on a dominé la deuxième, première mi-temps surtout. Bon, la prestation, on a aussi eu que début octobre, je crois. Et Bombay. Eric Bailly a perdu contre la Gambie. Et Sagabo, il a gagné, ouais. Et Mbamba, il a gagné 5-1, ok. Les excuses sont possibles quand on rachète dans la deuxième marche du podium en Ligue 1. Ok. Baba Fofana. Bon bah, il vient de Créteil pour arriver à l'OM U19. C'était Leonardo Balardi. Antunes, il a fait 2-2. Arnaï Caprice, ils ont gagné 2-1. Under a perdu 0-2 contre l'Ukraine. Jonathan Klaus a quand même joué 5. Ils ont gagné 5-1 contre la Belgique. L'équipe de France. Gabriel 6-1-0, ouais. D'accord. De la Fuente, elles ont gagné 2-0 contre les États-Unis, ça c'est bien. Contre l'Australie. On félicite Nadir. On a fait utiliser l'entraînement suggéré. Donc on va faire jouer Ben Seguir et Nadir en équipe U19. Hop, pour avoir Souglo en réserve. 4 messages. Tavares à la place de Kolečinac, Guendouzi à la place d'Angers. Ensuite, Payet à droite et Luis Suarez à gauche. Ok. Donc Mbamba ne peut pas venir, on va emmener Caboret, ça c'est sûr. Et j'ai emmené Jordan Veretout à la place d'Under. Ok, on va faire comme ça. Assister à quoi faire. Message. Non, ça on fait rien, hop. Allez, nouveau match. Non, Veretout peut pas venir. Donc, Veretout ne peut pas venir. Donc, on va emmener Kolečinac.
Wonder, non, on va emmener Konechinach. Voilà. Continue ça. Donc là, on joue à l'extérieur. Donc on a gagné qu'une fois à l'extérieur depuis le début de la saison. Contre le SCO. Contre Auxerre. Donc faut faire gaffe. Bon, il est en jeu là. Ah oui, mais je le disais bien. Il est en jeu ou pas? Ah, le but est à Gordon, mène 1-0 contre le SCO d'Angers. Ça, c'est une bonne chose. Allez, faisons ça. Impeccable. Allez, on continue. Ça se passe pas trop mal là. Oh non, c'est fait égaliser. Là, le but y est, par contre. Oh, il fallait marquer. Dommage. Allez, Klaus, tu vas sortir rentrer. Isaac Aboré. Tavares, Koreshinach, comme d'hab. Personne. Allez, Pape Gay, tu vas rentrer. Djeng à Sanchez. Et Rongier à la place de Guendouzi. Bon bah, à l'extérieur, encore une fois, on fait un mauvais résultat. On en prend un peu l'habitude. Ouais.
c'est mal donné ça. Bon bah match nul. Allez, félicité Balerdi. Et Sakabo, il fait que son premier match. Ah ouais. Ah, ils ont fait match nul le PSG aussi. Ah bah c'est une bonne chose. D'accord. Ouais bah malheureusement on était en dessous de la deuxième mi-temps. Dommage. Manque de réalisme avant les buts. Très créatif et très jeu très créatif, ok. Peu de tac et tac inefficace, d'accord. Tir à vue et garde. Ouais. Sur ce que ici n'est pas bon et là aussi. Pour sortage au passé aussi, on n'est pas bon aussi. Buts en 12 sur 12 ont été inscrits à proximité des points de pénalty, ouais. Nous avons trouvé le chemin défilé 11 fois sur nos 47 totalisés dans la surface. Sur la close, récupère plus de ballon. 6 des 9 buts nous avons concédés ont été à proximité du point de pénalty. Seule une de nos 79 offensives se sont conclues sur une occasion de but impliquée Bilal Nadir. Nous concédons trop de tirs au ballon touché dans notre surface, mais notre proportion est plutôt bonne dans la surface adverse. D'accord. Neymar devant Ayork et Payet. C'est la deuxième fois qu'il y a un joueur de l'OM dedans. D'accord. B, en résumé, les dirigeants sont contents de vos qualités de leadership à la tête de l'équipe. Sur l'ensemble, ils sont très contents du travail que vous effectuez. D'accord. Ça, c'est sûr. Sauf qu'il n'y avait aucun club avant. D'accord. Hop, on continue. Strasbourg qui mène la Ligue 1. D'accord. Et UBI. S'il y en a qui peuvent revenir. Lick. 3 matchs, 1 but, 6,85. Je ne pense que pas. Et Hugo Bertelli. 5 matchs, 1 but, une passe décisive, 6,96. Allez, on va arrêter là sur Football Manager 2022-23 les gens. Donc voilà, donc je sais pas si je vais continuer la live, on verra. Ah ouais, bah, si j'arrête là, ouais. Donc pour l'instant, donc pour ceux qui ont vu la diff de live sur Football Manager, je vais rester là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà,